Vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimab et son orchestre. Forfait Paris-Paris pour deux personnes du 10 au 20 avril, 2000 euros. T'entends, chérie? Ouais, 2000 euros, c'est pas très cher. Il paraît que c'est magnifique la montée du Nil. Hein. J'imagine. Ça, vraiment ça, ça ferait de belles vacances. Hein. Pour ma mère. Ah, oui. Ah, qu'est-ce que tu en penses? Une croisière pour ma mère. Très bien, en plus elle sait nager ta mère. Et puis ça la changerait la montagne. Car tu l'envoies bien février à la montagne, non? Avec Madame Vercor. Ah bah tiens, elle pourra s'y aller avec Madame Vercor en Égypte. Elles s'entendent tellement bien toutes les deux. Ouais. C'est fou, hein, il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes ou Marie Curie ou Britney Spears. Et moi je rêve d'être Madame Vercor. Déjà, je pourrais partir 6 mois sur 12. Avec ta mère, d'accord, mais en vacances quand même, tu vois. T'aimes pas ma mère? J'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire pour que ça sente. D'accord, alors c'est moi une fois où j'ai été désagréable avec elle. Ok, la canne que tu lui as offerte pour son anniversaire, alors qu'elle n'a jamais eu de problème pour marcher. Tu trouves pas ça un peu déplacé? Déjà, ce n'est pas une canne pour marcher, c'est une sculpture sur moi. Et s'il y a quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coupé. Sa canne. Je te signale au passage que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. À ce moment-là, je ne sais pas trop comment je vais le prendre. Enfin, ouais, enfin, elle t'aurait fait une rivière de diamants, ça ne t'aurait pas plu non plus. Faux, bizarrement, j'aurais préféré. T'arrêtes? J'arrête. Moi, j'aime beaucoup ta mère. Normal, j'ai des parents formidables. Ah non, je parlais de ta mère. D'accord, alors ce serait quoi le problème avec mon père? Bah, mon retraitement fiscal. C'est lui quand même, hein. Faut être un peu tendu pour venir contrôler son genre. C'est justement grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Wow, chère rencontre, hein. Ah non, écoute, n'exagère pas, ce mot-là. Il ne pouvait pas savoir qui était mon père, enfin, qui était ma femme, enfin, qu'on allait se marier, quoi. Ouais, enfin, tu ne montreras pas que ton père est tendu. Qu'un nouveau mariage, une agrafeuse. Dis donc, fou! Eh bien, vous n'avez pas aimé l'humour. J'adore ta mère, mais tu m'excuseras, ton père est tendu. Je t'interdis de dire que mon père est tendu. Tu touches pas un cheveu de mon père, car je peux te tuer si je veux. Si tu reparles mon père, bah, je prends la perruque et je la crache sur la tête à ta mère. Moi, je comprends la petite parole de parole. J'ai l'impression que ça nous est.